aussi, ça va demander concentration et attention pour voler en duo, surtout plus que ce sont des machines, vous le verrez, très très rapide. Ça se prépare. Ok, voici. Voilà, on s'aligne en face à face. Et on y va pour le croisement. La suite du programme qui nous attend maintenant, eh bien nous du côté du clubhouse ici, comme on est un petit peu éloigné de la rampe de lancement de la dite tête volante qui se trouve du côté de la tente blanche là-bas, on est un petit peu dans l'expectative pour l'instant. Je vous propose de patienter quelques instants. Bon, alors bon, eh bien, voilà, il suffisait de demander. On est effectivement prêt du côté de ce fameux pulsor réacteur. Alors si vous étiez avec nous en début d'après-midi, vous l'avez peut-être déjà vu évoluer, sinon vous allez le découvrir maintenant. C'est assez impressionnant, il faut le dire. Il faut dire que ce pulsor réacteur délivre 7,5 kg de poussée pour une aile volante qui en fait à peine 4,5 kg. On va atteindre des vitesses de l'ordre de 400 km/h. La grosse particularité de ce pulsor réacteur, c'est qu'il ne peut pas gérer sa vitesse. En résumé, on est à fond tout le long.
Et c'est donc au pilote de faire le nécessaire pour placer sa machine part et d'autre de cette piste de moitié, de manière à la maîtriser, précisant que le pilote Roger Knobel n'est pas seul, il est entouré de deux assistants, Freddy Andrist d'un côté, qui est le mécanicien de cette turbine Pulso, qui va la régler et qui va optimiser son rendement pour que le pilote puisse œuvrer dans les meilleures conditions possibles. Et puis avec eux, il y a Woody Ebeger qui lui fait de la télémétrie, c'est-à-dire qu'il va reprendre des données de cette fameuse turbine pour donner des indications autant aux mécaniciens qu'aux pilotes. Alors cette aile volante n'a pas de train d'atterrissage, elle va partir sur une rampe de lancement. Et puis pour l'atterrissage, eh bien, s'arrête puisqu'on ne peut pas régler sa vitesse et on termine tranquillement en plein air. Et on finit tranquillement sur le ventre dans l'herbe de moitié, c'est pas facile à dire. Merci pour Roger Knobel, Freddy Andrist et... Et un deuxième décollage avec donc ces deux SK21 avec les remorqueurs respectivement des modèles Bidou et Sportsman. Pilotage et puis les planeurs Christophe Eberlé et Yannick Thank you.
fonce devant toi. Atterrissage réussi pour Christophe Hebeul et Yannick Miller. Je vous le disais, réplique d'un avion à disque. Je veux la vis de Reynolds. Assez impressionnante. Non seulement on a de l'autonomie, mais en plus on a de la puissance, ce qui est idéal pour les modélistes qui veulent s'amuser un petit peu. Et là on peut le faire largement sans pour autant recourir donc, au moteur thermique. Un petit cadeau au voisinage, c'est vrai que c'est un petit peu moins brillant la version électrique.
Par Jérôme Weinrich, une machine de 22 kg équipée d'un réacteur Franke d'une puissance, d'une poussée de 19 kg. On va le dire comme ça. Et puis on va voir si tout à l'heure on a droit au petit salut de la part de Jérôme Weinrich au passage. Là par contre, ça s'est effectivement bien passé. Il riche au décollage. Dès que le remorqueur aura largué son plat, on repartira avec un petit fond de musique. Non, mais si tu ne l'attends pas, il vient comme ça. Il vient comme ça. Je n'attends pas. C'est beau, ça fait. Bon, celui-là est fonctionnel, celui-là est Moi j'essaie de te suivre, il faut qu'il y en ait un qui fixe. Toi t'es le leader et moi je te suis derrière. Puis on fait tout le temps comme ça, c'est moi qui me passe sur toi. C'est moi qui accélère, c'est moi qui freine. Sinon toi tu freines au moment où j'accélère, puis après on est comme ça. Et puis après on fait stationnaire. Oui, après je fais. Mais on commence comme ça. On fait comme ça, puis on fait ça. Et le planeur est là. Si t'arrives à descendre, on commence en haut. On commence en haut, je viens tourner autour de toi. Je sais peut-être pas la montée, je sais peut-être pas comment je la fais, mais au plus je la fais en droite, puis je te laisse en partie par là. Après, je repasse plus loin. Tu descends. Je fais une figure de la con. Une fois que j'ai lu tout ça, moi je peux partir. C'est ça.
fait. Un petit battement d'ailes pour vous saluer, et puis on va gentiment s'aligner pour l'atterrissage. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Patch Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée d'un Et là, c'est l'atterrissage pour ce Corsair piloté par notre ami Renault. L'abordage. Bravo.